bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. Un temps de parole consacré à l'actualité sociale, à l'actualité du port, puisqu'on reçoit sur notre plateau Samuel Fatima Soufou, la première vice-présidente du conseil départemental. Fatima Soufou, madame la présidente, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. La ministre d'Outre-mer est venue à Mayotte pour 4 jours, c'était la semaine dernière. Vous l'avez rencontrée, quel est votre sentiment par rapport à cette dame ? Alors déjà, j'ai trouvé une dame, une personne très dynamique. La première journée, je ne vous cache pas qu'à la fin, à 19h-20h, j'étais vraiment KO et j'ai compris qu'elle était encore en réunion après la réunion avec les élus du conseil départemental. Moi, ce que je peux retenir de sa visite, évidemment, il y a eu la compensation des 120 millions d'euros. C'est énorme. Mais j'ai compris qu'elle était surtout là pour prendre connaissance du terrain, voir les choses et pour mieux apprécier les dossiers après. Mmh. Et très rapidement, nous allons nous rencontrer pour évidemment examiner les dossiers de Mayotte. Et je trouve que c'est une très bonne chose déjà de voir les choses et de se faire son idée soi-même et de ne pas rester dans les bureaux et attendre juste les rapports. 4 jours. Voilà, 4 jours, c'est énorme pour une ministre qui s'est donné le temps vraiment de voir, de sentir, de prendre les contacts. Et là, on ne peut que saluer cette démarche. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'annonces, c'est sûr, qu'on puisse nous acter plus de choses, mais c'est le début de mandat et on peut prendre ça comme ça, que c'est le temps de prendre un peu la température du terrain. Alors, je vous pose la question parce qu'elle vous a prêté une oreille très attentive, notamment sur le sujet du port de Longoni, hautement sensible s'il en est, en envoyant une mission interministérielle dès la mi-septembre. Comment prenez-vous cette information et cette nouvelle, cette mission qui ne sera pas de conciliation, mais de soutien au conseil départemental ? Alors, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut rappeler que le port, c'est le poumon économique de Mayotte. La santé des Mahorais dépend du port, l'éducation des Mahorais dépend du port, tout dépend du port. Et donc, il a fallu aussi un moment, il est vrai que nous travaillons avec la préfecture en étroite collaboration, mais il a fallu sensibiliser, il a fallu expliquer et rappeler que, en plus, le port appartient toujours à l'État. Nous ne sommes que gestionnaires. Et il fallait, au bout de 2 ans, 3 ans de conflit au port, s'y pencher très sérieusement et y travailler. Et ça, moi, je ne peux prendre ça que comme une bonne nouvelle. On se rend compte que dans ce courrier, nous avons 3 ministres quand même qui signent ce courrier. Ça montre l'importance que l'État met sur ce dossier. Pas des moindres, les ministres. Hein. Voilà, on a la ministre des Outre-mer, la ministre chargée, je dirais, des Finances, la ministre des Transports. Et ça, ce sont des gros morceaux au niveau de l'État. Par contre, moi, de mon côté, je déplore quand même cette situation au port. Je ne suis pas du tout satisfaite. Je ne suis pas là pour, je veux dire, apprécier qu'on puisse avoir des conflits tous les jours au port. Quand on a un contrat, une convention, la meilleure chose qu'on attend de cette convention, de ce contrat, c'est que ça se passe bien. Si on en arrive à ce genre de situation, c'est dommage et moi, ça ne me fait pas plaisir. Et c'est très difficile d'assurer les conflits permanents, les échanges difficiles avec le délégataire. Et on a vu que récemment, un collectif s'est mis en place, les transitaires qui s'y mettent. Il est temps de faire quelque chose. Je ne dis pas aujourd'hui que le conseil départemental a déjà décidé d'aller vers une résiliation. Mais cette idée fait partie des hypothèses que nous allons examiner très rapidement avec les chargés de mission qui sont là, très rapidement, pour qu'on puisse enfin avoir une situation sereine au port. La situation n'est pas sereine. À chaque, je veux dire, on peut compter des grèves tous les mois, pratiquement, et c'est compliqué. Il y en a une autre qui se prépare. Et voilà, je suis au courant, et c'est très, très difficile d'assumer ça. Je sais que les Mahorais subissent les conséquences de ces conflits permanents,
et il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avoir la paix sociale au port. Et ça, c'est, je dis, pour moi, c'est important aujourd'hui que l'État s'y penche très sérieusement. Madame la Présidente, la Chambre régionale des comptes a émis un rapport. Vous avez délibéré d'ailleurs dessus en séance plénière le 21 août dernier. Les conclusions, en substance, c'est de dire qu'il y a des responsabilités qui sont partagées, notamment celle du Conseil départemental. C'est peut-être pas de ne pas avoir mis en place le comité de pilotage et le comité technique, qui sont pourtant les outils de contrôle du délégataire. Pourquoi est-ce que ces deux outils n'ont pas été activés, ne le sont toujours pas d'ailleurs? Alors, je vais vous annoncer que très prochainement, nous allons organiser un comité de pilotage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès avril 2015, quand nous sommes arrivés au conseil départemental, nous avons commencé, notre mandat avec des conflits. Ça n'a pas été simple de pouvoir fonctionner normalement. Ça, tout le monde l'a reconnu. Moi, je peux dire que nous avons eu des comités de pilotage. Il y a eu des comités techniques, mais pas autant que ce qu'il aurait dû y avoir. Dire qu'il n'y en a eu pas du tout, ce n'est pas la réalité. Mais il est vrai qu'il y a des périodes arrêtées pour organiser ces instances, et ça n'a pas été fait régulièrement. Mais nous avons quand même pris le temps de les faire, la preuve. Nous avons pu valider certains projets qui sont en cours, parce que ces projets passent par des instances qui font valider les projets avant que l'Europe aussi puisse s'y prononcer. Il est vrai que ce constat est là, la régularité n'a pas été là, mais je le mets sur le compte effectivement de cette tension permanente au port, qui fait que il n'est pas toujours facile de faire fonctionner le port normalement, correctement. C'est la raison pour laquelle justement nous cherchons à avoir la sérénité au port. Et maintenant, ça va être, excusez-moi Samuel, ça va être effectif. Ils vont fonctionner ces comités. Alors. Ça va être régulier, parce qu'il faut le faire quand même le boulot. Nous prévoyons une réunion très prochainement. Peut-être en octobre ou en novembre. Nous avons la mission qui est là et j'espère qu'avec la décision ou les décisions qui vont être prises, cette sérénité reviendra au port et que les instances soit fonctionnent ou bien on pourra, enfin, selon de la décision, passer à d'autres modes de gestion. Madame la Présidente, on va boucler le sujet du port parce qu'il y a aussi un sujet social qu'il va falloir aborder. Vous dites-moi, vous voulez la tête d'Idanel ou au contraire, vous voulez travailler avec elle, vous aimeriez que ça fonctionne avec elle? Alors, moi j'apprécie beaucoup Madame Nel en tant que personne, mais le constat c'est que le mode de fonctionnement, je considère qu'il n'est pas adapté aujourd'hui par rapport à la réglementation française et européenne. Mais Madame Nel, je n'ai rien contre Madame Nel. On se parle très bien. En tant que personne, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle dans d'autres lieux, à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et ça s'est très bien passé. Elle peut témoigner. Et sur ce dossier-là, c'est juste, j'estime qu'il y a des choses à respecter, des domaines des limites à ne pas dépasser et que en tant que représentant du conseil départemental, je suis là justement pour alerter, pour contrôler, pour vérifier et rappeler la réglementation. Très bien. On va passer sur le volet social parce qu'il nous reste peu de temps. 3 minutes. Préavis de grève déposé pour le 12 par les agents du conseil départemental. Ils ont beaucoup de revendications, beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Je pense, et mon petit doigt me dit, que vous avez commencé à négocier avec eux. Oui, bien sûr. On n'allait pas attendre, on n'allait pas croiser les bras et attendre que ça se passe et que la grève commence la semaine prochaine. On a commencé à négocier depuis mercredi. Une réunion est prévue cet après-midi pour continuer les négociations. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et j'espère qu'on aboutira à un accord pour ne pas arriver à un blocage du conseil départemental, qui est, une administration qui est là pour le service public, et nous sommes tenus à assurer le service public. Ce que je veux rajouter, c'est que nous sommes là depuis 2015, et
on s'est attelé, l'exécutif a fait en sorte à ce que les instances qui assurent le dialogue social au conseil départemental fonctionnent. D'abord, nous avons mis en place le règlement intérieur, on l'a validé ensemble, ce qui n'existait pas au conseil départemental. Nous avons ensemble mis en place le CHSCT. C'est une instance obligatoire qui permet justement le dialogue social et c'est là où on échange sur les conditions de travail des salariés. Les évolutions de poste, tout se fait au niveau du CHCT. Nous avons même mis un petit budget, 300 000 euros, c'est pas grand chose, mais on a quand même fait en fonction des moyens que nous avons eus et faire en sorte à ce que ça avance. Les comités techniques, les CAP ne fonctionnaient pas. Les commissions paritaires. Nous avons régularisé plusieurs années. C'est des milliers d'argent qui sont arrivés sur les salaires des agents. Individuellement, on ne le sent pas, mais au niveau du conseil départemental, c'est énorme. La Cour des comptes nous avait recommandé de ne pas maintenir l'indexation. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes à 40%. La loi Sauvadet qui intègre les agents, on l'a fait très rapidement, on n'a pas pris de temps. Et tout ça, c'est un pouvoir d'achat qui vient sur les salaires des agents. Et je rappelle toujours le 31 décembre 2015, j'ai validé le principe de mise en place de chèques de jeûner. Aujourd'hui, les chèques de jeûner sont effectifs au conseil départemental. Encore quelque chose de très important, la formation. La formation des agents, on a mis un plan de formation pour 3 ans. La semaine dernière, le 31 août, l'arrivée de la ministre, j'ai installé un comité de suivi justement pour qu'il y ait transparence, pour qu'il y ait équité, égalité, pour que tout agent du conseil départemental puisse bénéficier de formation. C'est très important pour l'évolution, pour assurer les missions qui sont ceux du conseil départemental. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes formés. Et ça, je trouve c'est énorme. Il faut le noter, le souligner, qu'aujourd'hui, l'exécutif fait énormément pour les agents du conseil départemental. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'était Fatima Soufou. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.